Chest supported row. Un de mes exercices préférés pour le grand dorsal, l'ensemble du dos. La raison est simple, c'est que plus qu'on a de segments qui sont stables lorsqu'on force, plus que le potentiel de force sort dans le bon muscle qu'on veut travailler. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites, exemple, un bent over row, le dos à 90 degrés, pas de support lombaire, c'est bon, mais on n'isole pas un groupe musculaire. Si on fait un chest supported row, le tronc est stabilisé, les jambes sont stabilisées, donc on peut vraiment aller maximiser la force au niveau du grand dorsal. D'autant plus qu'en ayant les charges sur les côtés du corps, on s'assure vraiment de pouvoir aller chercher le grand dorsal. Hein, vous vous rappelez, pas en avant, et on fait une demi-lune inversée vers le bas.